Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc calendrier de l'Avent comme tous les jours, donc de tout ce mois de décembre. Donc, nous sommes le 13 décembre aujourd'hui et donc nous allons procéder à l'ouverture. Donc, l'ouverture du calendrier de Sylvia. Voilà, donc la bougie numéro 13 aujourd'hui. Donc je vais la mettre avec mes autres bougies que j'ai donc rangées hier. Hop, voilà. Elles sont toutes rangées là. Donc merci Sylvia. Et ensuite, donc on va découvrir le dies de Saga Post Scrap du 13 décembre. Waouh. Ah, très joli. Donc c'est un magnifique pot avec un petit village de Noël, lune et étoile. Donc on va tout de suite procéder à la découpe. Avant ceci, je vais couper un morceau de magnétique. On va le mettre là. Ceci, donc ça on va jeter, celui-là on va le garder et donc on va faire la découpe. Alors pour faire la découpe, donc il va me falloir un morceau de papier blanc, du coup le dies, la machine et on est parti. Alors aujourd'hui, je voulais essayer de vous retrouver pour faire 2-3 vidéos avec vous. Je sais pas trop si je vais avoir le temps. Car aujourd'hui, le projet est d'aller faire un petit tour à Action. À Nose. Ouais, voilà, j'avais envie. Sans acheter de trop, hein, bien évidemment. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit tour là-bas. Donc je vais y aller ce matin. Et puis j'essaierai de vous faire une vidéo. Je vais terminer de customiser une ampoule que j'ai commencé en mix média pour pouvoir l'envoyer à la personne qui recevra donc l'ampoule. Je vais essayer de le faire aujourd'hui avec vous. Je voulais également vous présenter des moulages que j'ai fait hier. Donc là, les moulages sont secs. Donc je voulais vous les montrer. Donc c'est des moulages qui seront sur le thème de Noël. Voilà. Donc je voulais vous montrer tout ça. Hop. Aujourd'hui peut-être, ou demain, je ne sais pas. Je vais voir. Demain, ça ne va pas être bien possible. Je reprends mon travail. Demain après-midi. Enfin bon, écoutez, je... Voilà, c'est des vidéos qui vont arriver. Donc, juste après celle-ci, vous retrouverez donc des moulages faits maison que je voulais vous... montrer. Voilà, j'ai fait ça hier. Donc, du coup, je voulais vous montrer un petit peu le rendu et vous expliquer avec quoi j'ai moulé. Voilà. Donc, cette vidéo sera sur... Et ensuite, vidéo ampoule. Voilà, il y a une ampoule qu'il faut que je termine pour un envoi. Donc, voilà, voilà un petit peu le projet de la chaîne. Alors, on va coller donc le dies et les découpes. Donc, on y va. Voilà. Donc le dies, je vous le remontre. Donc, ça donne ceci. Donc un très beau dies, j'aime beaucoup.
Et donc la découpe du dies. Magnifique découpe. J'adore. Superbe. J'aime beaucoup. Donc là, vous avez le pot. Alors, je vois que je n'ai pas enlevé la bande ici. Voilà. Donc, voilà le résultat de la découpe du pot. Et je vais conserver la lune et les étoiles. Alors, je vais déjà coller ceci et je vous montre après la lune et les étoiles. Et donc, voici la lune et les étoiles. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, je pense pas sur le blanc. Donc, il y a 4 étoiles et une lune. Vous voyez? Que je vais donc coller pour conserver. Alors, ça va être très délicat de coller. Donc même si la colle elle déborde un peu parce qu'elle va déborder, je laisserai sécher. Le papier avant de le ranger dans l'album. Donc j'ai mis un petit peu de colle par-ci par-là pour récupérer donc les étoiles pour les coller. Voilà, tout simplement. Donc c'est super petit. C'est vraiment très petit. Vraiment très très petit. Voilà. Donc voilà pour ceci. Donc comme d'habitude, vous retrouverez la photo sur mon Instagram. Et je vous dis à demain. Gros bisous. Bye bye.